Turquie, une magnitude de 8,8. On dénombre déjà près de 150 morts. Bernard Lebrun. Il est 4h moins le quart du matin au Chili, 8h moins le quart en France. Piégées dans leur sommeil, les familles tentent comme elles peuvent d'échapper aux ruines de leur maison. Les enfants d'abord. Cette petite ville côtière de 200 000 habitants se trouve la plus proche de l'épicentre, Concepción. À 3h34 précisément, la terre a tremblé plus de 2 minutes. Magnitude 8,8 sur l'échelle de Richter, une énorme secousse, la plus forte au Chili depuis 30 ans. Au lever du jour, les dégâts matériels se révèlent considérables. Et pourtant, au pays de la terre de feu, on respecte les normes sismiques architecturales depuis fort longtemps. C'est sans doute ce qui explique, malgré l'horaire du séisme et selon les spécialistes, le faible bilan humain. Moins de 200 victimes pour l'instant dans le pays. Il n'empêche, toute une région, celle du Maule au centre du pays, est gravement touchée. Dans les rues de la capitale, au petit matin, pas de destruction majeure, mais deux pannes générales, électricité et téléphone. Au centre de coordination des secours, la présidente de la République sortante, Michelle Bachelet, est aux commandes et se veut rassurante. Les institutions du pays fonctionnent, dit-elle, et je suis là. Ce qui fonctionne moins bien, c'est l'aéroport de Santiago, fermé au moins jusqu'à lundi. En raison des dégâts, il n'a pu accueillir cette nuit le vol d'Air France. Il a été détourné sur Buenos Aires. Toujours dans la région de Santiago, voici la petite ville de Lampa où le séisme a provoqué des incendies en série. Et plus on approche de la capitale, plus l'on voit d'autoponts effondrés, tels des châteaux de cartes, y compris parfois sur des voitures. Depuis ce matin, la chaîne d'information chilienne 24 Horas ouvre ses journaux avec cette incroyable image. Celle des caméras automatiques qui ont enregistré la secousse à 3h34 ce matin. Consécutif au séisme, un tsunami s'est déclenché qui traverse en ce moment tout le Pacifique vers le nord-ouest. La vague qui s'est déployée, vous le voyez partout, ne s'arrêtera que lorsqu'elle aura atteint le continent asiatique. Pour autant, il semble que le spectre de décembre 2004 s'éloigne. Gérard Griesbeck. En quittant les côtes chiliennes, le